Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis de là où vous nous suivez. Merci de me recevoir chez vous. Amen. Par les canaux de la chaîne Béret TV, chaîne chrétienne de votre édification. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je salue en même temps tous ceux qui vont suivre cette émission par les canaux des réseaux sociaux, de l'Imonchaîne, YouTube, Facebook, ainsi de suite. Soyez grandement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans cette rubrique de prière. Montagne de feu, qui est une émission de prière réservée uniquement à la prière. Je vais t'inviter à prendre une position de prière. Toi qui es couché, toi qui es assis, toi qui es dans la distraction, éloigne-toi toute source de distraction ce soir, parce que ce soir nous allons encore prier. Le temps est arrivé où nous allons prier, où nous allons chercher la face de Dieu. Ce soir nous prierons pour la restauration divine dans les divers domaines, dans les divers domaines de nos vies. Alléluia. Si nous voyons dans la parole de Dieu, dans les livres d'Ézéchiel chapitre 37, à partir de verset 1 jusqu'au verset 14, nous voyons comment Dieu a restauré les eaux desséchées. Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux. Ce soir, je vais t'inviter à être frais parce que nous allons entrer dans des déclarations prophétiques par rapport à ta destinée. Alléluia. Nous voyons également, bien-aimés, dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 10, là-bas, la Bible déclare « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Oh, ce soir, je prie pour que le Dieu de gloire, le Dieu de restauration, puisse te rétablir, qui t'accorde le double de ce que tu as possédé. Cela est possible dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Joël dit, dans le livre de Joël, il dit, « Je ferai des choses nouvelles, je te restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. » Oui, bien-aimé, certainement dans ta vie passée, certainement le diable a dit « dévorer les sauterelles qui sont l'image de puissance des ténèbres qui détruisent la vie des enfants de Dieu ont certainement dévoré certaines choses dans ta vie. Mais cette soirée, c'est une soirée où nous prions pour la restauration. Je vais t'inviter à lever ta voix. Nous allons déjà entrer un moment d'adoration pour adorer, dire merci à Dieu pour cette journée. Merci pour sa grâce. Merci pour la nourriture. Merci pour la boisson. Merci pour la boire. Merci pour la santé. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lève ta voix sur ce beau chant de notre bien-aimé frère Koulma Topé. Nous bénissons notre Dieu. Alléluia. Nous prions. Rebocha Kabada. Alléluia. Rebo Sekerebobo. Chenderebo. Yenderebobo. Senterebobo. Kotorebobo. Cheke. Orobobobo. Senterebobo. Karababa. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons le Dieu de gloire. Seigneur, nous t'élevons notre Père, notre Roi. Nous prions, alléluia, Hosanna, parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée, merci pour ta grâce, merci pour la paix, merci pour la joie, merci Seigneur pour la santé, merci pour nos bien-aimés frères et sœurs, merci pour nos familles charnelles biologiques que tu as gardées, tu as protégées. Seigneur, nous voulons te bénir. Je te dis merci pour mon épouse, je te dis merci pour mes enfants, pour mes filles et mon garçon. Seigneur, merci pour mon ministère, merci pour le bénis que tu as mis sous ma direction. Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te remercie. Bien-aimé, lève ta voix dans ces beaux chants d'adoration. Tu peux adorer, tu peux rendre grâce à Dieu, tu peux célébrer ton Dieu, tu peux lui dire merci pour la journée. Oui, bien-aimé, tu étais sorti, tu es revenu, ta journée a été positive. Ta journée a été une journée de bénédiction. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Nous continuons dans la même adoration. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Nous louons le Seigneur. Nous magnifions le roi de gloire. Il est assis sur son trône. Ce soir, nous voulons lui dire qu'il soit loué, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Seigneur, digne ton nom, le roi de rois. Digne ton nom, le Tout-Puissant. Digne ton nom, l'Alpha, l'Oméga. Ekoborobo, Shenderebo, Kanderebo. Alléluia, 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 alléluia. Oh Rabababa Shakerebobo, Yenderebobo Shakarama, Rebobobo Shakarama, Sekerebobo, Yenderebo Shakarama, Nereke. Seigneur, sois béni, alléluia. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Et Rakabarabaraba Sheke, Yenderebobo Shakerebo, Yenderebobo Yakaramama. Alléluia, alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur? Toi, l'amour qui se fait aimer. Comment ne pas te louer le roi de rois? Comment ne pas te louer le Seigneur de Seigneurs?
Papa, ce soir, je m'humilie dans ta présence. Je vais déverser mon cœur dans ta présence pour te bénir et te louer. Je vais lever ma voix, Seigneur, pour te dire merci, éternel de gloire. Oh, je bénis ton nom. Je te loue, Seigneur, je te célèbre. Oh, sois adoré, sois loué, sois célébré. Oh, Rabada, que t'es le beau. Yende le beau, chende le beau. Yende le beau, chakare, bodo, kere. Yende le beau, sende le beau. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Prends une position de prière, ne dors pas. Prends une bonne position. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de prier. Monte avec moi sur la montagne de feu. Bienvenue à cette rubrique de prière, qui est une rubrique où nous allumons le feu, qui est une rubrique où nous prions, parce que la prière des saints a une grande efficacité, la prière des justes a une grande efficacité, dit la parole. Lève ta voix, bien-aimé, éloigne de toi toute source de distraction, bien-aimé. Si tu es fatigué, tu peux te lever en marchant. Si tu as l'impression que le sommeil va t'envahir, va dans la salle de bain, mets un peu d'eau sur le visage, de l'eau froide et réveille-toi. Reviens prier avec moi ce soir. Restez connectés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous prions, nous disons merci à Dieu. Merci pour cette journée. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa bonté. Merci pour la grâce et le privilège qu'il nous donne ce soir. Alléluia. Oh, Rabababa, Shakaraba, Reboro, Sampe, Rebo. Alléluia, le Kebodo, Sentere Keraba Shakababa, Rekeraba Shandirebo, Erakatakama, Nerebo Shakama, Rindorobo Sankara Kanamakara, Yagaraba Sakababa, Rekebobo, Shakabara Yakaramama, le roi du roi c'est toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de notre salut. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons ce soir, Seigneur, nous te magnifions, notre Père, Seigneur, nous te louons, notre Papa, notre Roi, tu es Seigneur, tu es Roi, tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi de rois. Seigneur, tu mérites d'être célébré ce soir. Tu mérites d'être loué, Seigneur. Tu mérites d'être béni. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. Et ma chère bobo, et d'araba kantere bobo, et que mandolobo sentere bobo, et rekebolo chendere bobo kantere bobo, et reketere bobo sentere kere bobo se, ribo kantere kere bobo chendere bobo, et kere bobo sentere bobo, on rekere bobo santa. Dieu lui merci pour la voiture que tu as conduite aujourd'hui. Beaucoup sont restés dans les autoroutes, beaucoup ont connu des accidents, mais les anges ont protégé ta voiture, les anges ont été avec toi, le Seigneur t'a conduit, bien-aimé. Le diable avait planifié des accidents contre ta vie, mais le Seigneur t'a préservé. Il a gardé tes enfants qui sont allés à l'école contre les accidents divers. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Monte encore, nous montons, nous montons. Nous montons ce soir sur la montagne de feu. Nous montons sur la montagne de feu. Nous montons à la montagne de feu. Nous montons à la montagne de feu. Nous prions. Nous prions, nous prions, nous les célébrons. Nous levons nos voix. Nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour les célébrer. Pour lui montrer notre reconnaissance. Lui dire merci. Car il est Seigneur. Car il est roi. Il est puissant. Alléluia. Et rebolo sente rekerebo. Yendere kerebolo sente. Yekerebolo sende rebo. Yekerebo sende rebo. Yekerebolo sente. Kerebo kende inderebo kantarama shekerebo ekerebo sentere kerebo. Que la puissance du Saint-Esprit ce soir descende sur ta vie, bien-aimé, pendant que tu es en train d'exalter ton roi, pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train de magnifier le Seigneur dans son amour, dans sa puissance, dans sa fidélité. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Oh Bashakaraba Rebotana Santaraka. La soirée de restauration, la soirée où l'Éternel restaura. Que le Dieu qui a restauré Job de tout, qu'il puisse te restaurer ce soir. Sois prêt à la restauration. Sois prêt à vivre la grande restauration dans ta vie. Lève ta voix, tu pries. 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 Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Shebo ya santeboro. Yenderebo. Shakarama sentorobo. Ekebara shakerebobo. Yenderebo santerekenama. Oh ma shenderebo kanterebo. Oh Seigneur, ton amour est parfait. Ton amour est grand. Ton amour est
est immense. Tu as revêtu la chair humaine. Seigneur, tu t'es donné pour moi. Ce soir, je vais te dire que je t'aime, Seigneur. Oh, Seigneur, alléluia. Oh, santé, bobo. Yenderebo, sekerebobo. Yenderebo, santerebobo. Yenderebo, shakarabababa. Prie. Plonge dans la prière maintenant. Plonge dans la prière maintenant et prie. Et prie encore. Oh, il est droit. Il est Seigneur. Nos reconnaissances à Dieu. Un cœur reconnaissant est un cœur qui va provoquer Dieu pour un second toucher. Un cœur reconnaissant est un cœur qui va ouvrir de nouvelles portes de grâce. Un cœur reconnaissant est un cœur qui va expérimenter la bénédiction. Un cœur reconnaissant est un cœur qui va aller jusqu'à l'achèvement de ce que Dieu a commencé. Lève ta voix. Sois reconnaissant pour la vie. Sois reconnaissant pour la femme qui t'a donné. Sois reconnaissant pour le mari qui t'a donné. Sois reconnaissant pour les enfants qui t'a donné. Sois reconnaissant pour le travail qui t'a donné. Sois reconnaissant pour le pasteur, pour le dirigeant, pour l'apôtre, pour l'ancien qui l'a mis sur ton chemin, pour le croyant qui l'a mis sur ton chemin. Sois reconnaissant, lève ta voix. Tu peux adorer le Seigneur pour ce bienfait, pour ce qu'il est dans ta vie réellement, pour ce qu'il est. Si tu crois qu'il est Dieu, si tu crois qu'il est puissant, si tu crois qu'il est pouvoyeur, si tu crois qu'il est celui qui te soutient, qui te protège, lève ta voix. Sous ces chants, nous adorons. Alléluia. Oh Rababa Shende. Alléluia. Oh Rabba Santaraba. Oh Robo Shaberebobo. Nadebo Shakarama Sute. Oh Rakarabada Sterebobo. Yederebo Shakaramama. Yederebo Shakerebo Katerebo. Oh Seigneur, laisse-moi t'élever, laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence. Combien, Seigneur, c'est merveilleux d'avoir un sauveur comme toi, d'avoir un Dieu comme toi. Seigneur, ce soir, laisse-moi répandre mon cœur dans ta présence pour te dire merci. Répandre mon cœur dans ta présence ce soir pour te célébrer, pour te merveiller dans ma vie, pour te merveiller dans la vie de mes enfants. Toutes les merveilles dans la vie de mon épouse, toutes les merveilles dans la vie, bien-aimé Seigneur, de mes affaires, de mes projets, dans mon ministère. Seigneur, je te bénis, je te loue pour les âmes, je te bénis pour le salut, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu fais. Ô Père, sois loué, sois béni, éternel des armées, sois magnifié, sois exalté, notre Père, sois magnifié, sois loué. Continue à prier, bien-aimé, continue à prier, continue à célébrer le Seigneur. Prie avec moi. Monte encore. Répands ton cœur. Aie un cœur reconnaissant. Les gens qui ont un cœur reconnaissant envers Dieu, c'est ceux qui savent dire merci à Dieu. Ce n'est pas des gens qui murmurent contre Dieu. Ce n'est pas des gens qui râlent contre Dieu. Ce n'est pas des gens qui profanent des insultes contre Dieu. Mais des gens qui sont reconnaissants. Des gens qui reconnaissent la bonté de Dieu. Des gens qui reconnaissent la grâce de Dieu. Des gens qui reconnaissent que ce qu'ils ont, c'est par grâce. Ce qu'ils sont, c'est par grâce. Humilie-toi dans sa sainte présence et adore. Humilie-toi dans sa sainte présence et loue. Humilie-toi dans ta sainte présence, bien-aimé, et lève ta voix. Bénis le roi de gloire. Nous prions. Alléluia, rebotoro sende, yenderebo ro sanderebo, yakareba kanterebo kanderebo, yekerebo sanderebo, yakarama shekerebo, yenderebo samtababa, o rababa shakaraba. Continue à prier. Ne dors pas. Toi qui commences à dormir sur ton lit, tu es allongé, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. C'est pas le temps de dormir et prier, c'est le temps de marcher, c'est le temps d'être à genoux, c'est le temps d'élever sa voix. Lève-toi là où tu es, tu pries avec moi. Là où tu es, lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas le sommeil t'emporter, ne laisse pas la fatigue t'envahir, ne sois pas découragé. Cette soirée est une grande soirée, est une soirée de restauration où nous prions pour la restauration. Oui, bien-aimé, lève ta voix au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Oh Basha Karaba Kantaraba. Rebo Bobo Shekerebo. Yende Rebo Bobo Shakaraba.
Nderebobo, yekerebo senderebo, yenderebobo korobobo, yekerebobo shenderebo, yekerebo lo shendere kerebo sekere, yenderebebo semterebo, yekerebo robo lo shekerebo lo sente, yekerebo santerebo lo kanterebo, yekerebo lo sendere kerebo, erakababa shikara mama mama, mama marebobo, yenderebobo, yakarababa, rekebobo senderebo, yekerebobo santereke yamasi. Derebo e kabala shekerebo senterebo ye kerama santerebo bo yanderebo santara kanama kantamandere kerama shaka baba ye ketabara santerebo ye kerebo shamtara baba kantaraba. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur, tu connais que nous t'aimons et nous savons aussi Seigneur que tu nous aimes Seigneur. Oh Père, notre amour, notre cœur papa est mort d'amour pour toi. Notre cœur est mort d'amour pour toi Père. Mon cœur est mort d'amour pour toi ce soir. C'est ainsi je vais te le dire. C'est ainsi je vais te célébrer. C'est ainsi je vais te louer. C'est ainsi je vais Seigneur mon Dieu t'exalter. C'est ainsi je vais te magnifier. C'est ainsi je vais te dire Abba Père. Oh Mashaka Yama Ketoboro Sekemanda Rekemanda Rabagantarama Ketorobo Shintarama Kantorobo Saka. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous allons continuer à prier bien-aimés. Avant que nous puissions entrer dans des véritables requêtes de restauration, j'aimerais que tu puisses encore prier pour le Saint-Esprit. Tu vas prier bien-aimés. Nous ne devons pas nous lasser de demander la plénitude. Chaque fois nous devons prier pour la plénitude. Parce que vous savez bien-aimés, des fois nous sommes remplis. Le Saint-Esprit se sert de nous. Et quand le Saint-Esprit se sert de nous, nous nous vidons de foi. Demande-lui de te remplir de nouveau. Demande-lui de te remplir de nouveau. Demande ce soir que l'huile fraîche descende dans ta vie. Demande ce soir que Dieu te oigne. Demande ce soir que le Seigneur, par sa grâce, qui descende encore une fois, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de puissance descende sur ta vie. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Prions pour la plénitude. Prions pour la plénitude. Prions pour la plénitude. Prions pour la plénitude. Nous prions. Ebo shakarama kerebo, yenderebo bo kanderebo, santerebo kanderebo shakarama, rekerebo santerebo robo kantarama, shakamanda raba kantorobo, yanderebo senderebo kantaraka, yakababa rebo bobo, yanderebo bobo shakarama, rebo bobo. Bo ya karabara katara karaba rebo bo 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 ro santaraka yekerebo robo shanterebo ora kama manderebo yekerebo santerebo bo yanderebo shakarama samtora baba. La puissance du Saint-Esprit ce soir, la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, la plénitude du Saint-Esprit papa, la plénitude de ton esprit, la plénitude de ton esprit. Remplis-nous Seigneur papa, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous ce soir Saint-Esprit, nous voulons être remplis. Bien-aimé, pendant que tu pries, tu peux demander en même temps le don spirituel. Tu peux demander en même temps que le Seigneur te donne le don de l'Esprit. Prie, prie, prie pour le Saint-Esprit, pour la plénitude, pour le don. Tu pries en même temps pour toutes ces choses. Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Que le Saint-Esprit opère. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, l'Esprit de grâce agisse dans ta vie. Bien-aimé, oh, lève ta voix, prie avec moi, 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 et rebo sakamande rebo kande, yebobo shakarama kotokobo, yende rebo kande rebo shaka, itorobo sentereke, urakabada senterebo, yende rebobo, yekerebo, yende rebobo samtaraka, yekerebo senderebo, erekeramande rebo senterebo, Erababa shakarama, mama rebobo, yanderebobo sekerebo, inderebo rokonterebo, yenderebo senterebo, ikarama senterekorobo, shakarama sakarama sekerebo, yenderekerebo shantaraba. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. La Bible déclare dans le livre de Joël au chapitre 2, bien-aimé, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélecs, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Mais nous voyons, bien-aimés, dans ce passage, une chose qui me frappe, une chose qui attire mon attention, c'est que Dieu est en train de donner la promesse de la restauration. Mais Dieu, en donnant la promesse de la restauration, Dieu, avec son cœur, il attend la repentance de son peuple. Deux fois, bien-aimés, il y a certaines choses qui sont arrivées dans notre vie à cause du péché, à cause de nos mauvaises attitudes, à cause de notre
notre désobéissance à cause de plusieurs choses. C'est ainsi, ce soir, nous devons comprendre que la restauration divine, bien-aimée, est l'acte par lequel Dieu s'engage à ressusciter dans nos vies les choses acquises, mais qui ont été volées, dérobées par le diable. Parfois, le diable vient dérober ce qui est à nous. Le diable vient dérober ta santé. Le diable vient dérober ton mariage. Le diable vient dérober ta richesse. Le diable vient briser ce qui est en toi. Bien-aimé, ce soir, Dieu va s'engager à pouvoir te le ressusciter, ramener la vie là où il y avait la mort. Mais avant toute chose, sachons que la repentance est la condition sine qua non de la restauration. Tu vas t'humilier. Je m'aimerais donner un temps à tout ce qui se sent, qui doivent se repentir. Si tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose, bien-aimé, que tu as dans le cœur auquel tu dois demander pardon, ce soir tu peux demander pardon. Peut-être pendant que tu es tenté de suivre tant de victoires et tu es tenté de suivre montagne de feu, cette émission, tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec ton mari, tu ne l'as pas encore pardonné, tu as fait quelque chose que tu n'as pas encore confessé. Le Saint-Esprit te reproche de quelque chose que tu dois abandonner. Dieu veut bien te restaurer. Dieu veut bien ressusciter la vie, donner la vie, là où le diable avait détruit. Mais je vais t'amener à la confession. Je vais t'amener à la repentance. C'est un moment où tu dois d'abord te repentir. Tu ne peux pas vivre la véritable restauration s'il n'y a pas une véritable repentance. Nous allons prendre ce temps pour demander à Dieu. Notre Dieu est riche en bonté. Il est puissant en miséricorde. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon d'avoir resté en colère pendant longtemps, d'avoir refusé de pardonner. Demande-lui pardon pour ce que tu as fait, que tu sais que cela peut anéantir ta destinée. Demande-lui pardon. Approche-toi du Seigneur. Nous nous repentons. Nous entrons dans la repentance. Nous entrons dans la repentance. Nous demandons pardon. Nous confessons au Seigneur. Lève ta voix. Sous le son de la musique, nous prions. Que le Dieu de toute grâce soit te pardonne. Que le Dieu de toute grâce soit te purifie. Que le Dieu de toute grâce soit pardonne tes iniquités. Dis-lui tout. Ne lui cache rien. Humilie-toi dans ta présence. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Oh bien-aimé, que le Saint-Esprit remette dans ton cœur le pouvoir du regret du péché. Que le Saint-Esprit remette dans ton cœur la conviction du péché. Qui te donne la force de te séparer du péché. Parce que le péché est l'une des portes par lesquelles le diable entre pour briser, pour voler ce qui est à nous. Nous ne pouvons pas demander la restauration si nous ne nous repentons pas. Nous ne pouvons pas demander la restauration si nous ne nous humilions pas. Nous ne pouvons pas demander la restauration si nous ne demandons pas au Seigneur de nous laver, de nous purifier de toutes les mauvaises choses qui nous ont empêchés, qui ont permis à Satan de prendre ce qui était à nous. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous demandons au Seigneur. Alléluia. Nous demandons à notre Dieu. 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 Oh Rabba Shaka Rabba. Yekerabara Santerebobo. Yenderebobo Shanderebo. Yakaramasi Torobobo Shandere. Yenderebobo Shakaraba. Yekeraba Santorobo Rabba Santaraba. Lève ta voix, prie. 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 Demande-lui pardon. Pardon de t'être laissé dans l'impudicité. Pardon d'avoir tombé dans l'adultère. Pardon d'avoir volé. Pardon d'avoir pardonné. Pardon de ne pas avoir pardonné. Pardon de ne pas avoir cru à la promesse de Dieu. Demande-lui pardon. Repends-toi. Pardon d'avoir été rebelle. Pardon d'avoir été un homme, une femme de commérage. Humilie-toi dans la présence de Dieu, bien-aimé. Je veux que ce soit, que tu entres en toi-même, que tu t'humilies, que tu demandes pardon à Dieu. Parce que ce soir, c'est une soirée de restauration. Je dis et j'insiste, il n'y a pas de restauration sans repentance. Demande au Seigneur pardon. Reviens à ses pieds. Demande-lui pardon ce soir. S'il y a des choses dans ta vie auxquelles tu dois confesser, voici le moment. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Monte avec moi, monte avec moi. Tu peux t'agenouiller là où tu es. Tu peux mettre debout. Tu peux aller dans un coin où tu pries, où tu pries, où tu cherches ton Dieu. Cœur à cœur avec lui, à lui demander pardon. Nous prions, nous prions, nous prions. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos
faiblesse. Seigneur, tu connais notre orgueil, tu connais parfois notre méchanceté, tu connais parfois, Seigneur, nos cœurs rebelles face à toi. Ô Père, tu connais parfois nos coups raides face à ta direction. Seigneur, ce soir, nous venons à toi, nous humilions dans ta présence, nous te demandons pardon, pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour tout ce qui a frayé un chemin à Satan. Seigneur, ta parole nous recommande de ne pas donner l'accès au diable, mais par la désobéissance, Papa, nous avons failli. Père, nous revenons à toi, toi qui es miséricordieux, toi qui peux pardonner les péchés, toi qui peux sanctifier. Tu as dit dans ta parole éternelle, venez et plaidez, si vos péchés sont comme de la cramoisie, moi je les ferai devenir blancs comme la neige. Seigneur, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, Seigneur, purifie-nous, alléluia. Continue à prier, bien-aimé, demande-lui de te prier, demande-lui de te purifier, demande-lui de te sanctifier, demande au Seigneur de te restaurer, demande au Seigneur ce soir qu'il te restaure, qu'il te sanctifie, qu'il te rend pur, que le Tout-Puissant restaure ta vie, que le Seigneur restaure ta vie ce soir, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te purifie, bien-aimé, que le Seigneur te sanctifie ce soir. Au nom de Jésus, tu peux lever ta voix et prier, tu peux lever ta voix et confesser, tu peux lever ta voix et déclarer que le Tout-Puissant, que l'Alpha l'Oméga, que le Dieu des armées te restaure, qui restaure ta foi, qui restaure ta vie, qui te purifie, qui purifie ta pensée. Peut-être le problème se situe au niveau de ta pensée. Chaque fois que tu es en train de penser, tu penses négativement, tu penses dans l'impureté. Ce soir, humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi. Demande-lui, Seigneur, par ton sang, lave mes pensées, lave mes pensées, lave mes pensées. Demande-lui, monte encore, monte encore, monte encore. Prie avec moi, prie avec moi. Marche, 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 marche. Lève-toi, toi qui commences à dormir, tu peux te lever maintenant. Ne laisse pas le dormir t'emporter, ne laisse pas le sommeil t'emporter. C'est un moment de prière. C'est un moment de gloire, c'est un moment d'impact, c'est un moment où nous levons la voix vers le Seigneur, c'est un moment où nous montons dans la montagne de feu pour faire trembler le monde des ténèbres, c'est un moment où nous brisons le pouvoir des ténèbres, c'est un moment où nous prions, nous nous approchons de notre Dieu. Humilie-toi dans sa présence, humilie-toi dans sa présence, humilie-toi dans sa présence, humilie-toi dans sa présence. Hé, Bosha Karaba, Oroboboshe, Rekerebobo, Yenderebobose, Nderebo, Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Seigneur, ce soir. Nous venons à toi. Nous venons implorer ta grâce éternelle. Nous venons implorer ta pitié. Nous venons, Seigneur, implorer ta miséricorde. Ô Seigneur, sanctifie ce soir. Nous venons à tes pieds comme des enfants qui viennent aux pieds de leur papa. Nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds. Nous implorons ta grâce. Oh my God. Oh Masha Karamando. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Oh Rabakantara. Kanamande yendere kerebo senderebo yekerebo ro sentereke yekerebo shanderebo yekereme senderebo kanterebo shakarama sekerebo bo urakanama senderebo kanterebo shanderebo kanterebo bo sakamande. Hallelujah, merci Jésus, merci Seigneur. Hallelujah, amen, 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 amen. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier pour la restauration parce que tu t'es repenti devant ton Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, le verset 18, « Je ferai jaillir le fleuve sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. » Le verset 19 dit, « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, les myrtes, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le chypre, l'orme, le buis, tous ensemble. » Oh Seigneur, le verset 20 dit ceci, « Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël a né l'autel. » Oui, bien-aimé, Dieu va frayer un chemin ce soir pour toi. Dieu va frayer un chemin ce soir pour toi. Nous allons commencer à prier pour la restauration. La première des choses que nous allons prier pour la restauration, c'est la restauration spirituelle. Tu vas prier pour que Dieu restaure ta vie spirituelle. Dans ta vie spirituelle, il y a la vie de prière. Dans ta vie spirituelle, il y a la vie de méditation. Dans ta vie spirituelle, il y a ta vie de l'intégrité, ta vie de la marche avec Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier là, tu es en train peut-être de sentir que tu es déjà faible. Tu commences à avoir envie de pécher. Pour toi, le péché devient quelque chose de normal. Autrefois, tu avais la crainte de Dieu. Mais maintenant,
Tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu as perdu ton premier amour, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu que Dieu restaure le premier amour. Que Dieu restaure le premier amour. La restauration spirituelle. La restauration spirituelle. Que Dieu restaure ton premier amour, bien-aimé. Parfois, tu avais une vie de prière. Tu étais une femme puissante dans la prière. Mais depuis que tu es déplacée, tu as voyagé, tu es arrivé là où tu es arrivé, toi-même, tu sais, tu ne pries plus. Depuis que tu manges les yaourts, les hamburgers, tu as oublié la vie de jeûne. Tu as oublié la vie de prière. Ce soir, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi encore cette vie-là. Seigneur, restaure-moi encore. Seigneur, fais de moi encore un homme de prière. Depuis que tu as accouché, tu étais en train de jeûner, de prier, demander à Dieu un enfant. Maintenant que Dieu t'a donné un enfant bien-aimé, tu ne pense plus à la prière. Ta vie de prière s'est éteinte. Prie ce soir pour la restauration. Nous prions pour la restauration spirituelle dans tous les domaines. Les domaines de prière, les domaines de la méditation, les domaines du péché, les domaines, bien-aimés, de la crainte de Dieu, les domaines de la sainteté. Que Dieu nous restaure. Lève-nous voir. Senterebo yenderebo bo kanterebo bo kanterebo yenderebo shaka mama rekerebo bo eh mama marebo bo 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 prie encore nous prions. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, dit 2 Corinthiens 5 17. Demande-lui, Seigneur aide-moi vivre cette vie de gloire que j'avais autrefois, cette vie de crainte de ton nom, cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de méditation de la parole. Lève ta voix et prie. Oh, ma chakarama sekerebo, yendere ketarama senterebobo, yendere ketaramare sentere koroboro, yendere ketere kotoro kotakamende, yendere ketakarama sutere kemende, ebo chakarama, lève encore ta voix. Des fois, il est important pour nous de prier comme Jésus a prié dans Hébreux, en élevant des cris, en élevant la force, bien-aimée. Oh Père, par la foi, nous atteignons la plénitude. Par la foi, nous atteignons la présence de Dieu. Soumets-toi au Seigneur ce soir. Demande-lui de te restaurer. Qui restaure ta vie de prière? Qui restaure ton amour pour Dieu? Tu commences à te fatiguer dans la prière. Tu commences à aimer le péché. Tu commences à sentir un attrait au péché, un plaisir dans le monde. Tu commences à sentir un attrait vers le monde, bien-aimé. Oh, la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Mais tu commences à les ressentir dans ton cœur. Oui, bien-aimé, tu as besoin de prier. Lève ta voix. Je t'invite à monter avec moi. Monte encore. Qui t'embrase de son feu. Dieu dit, Seigneur, embrase-moi encore. Je vais t'aimer encore un peu plus. Je vais te craindre encore un peu plus. Je vais te servir encore un peu plus. Embrase-moi ce soir. Lève ta voix, bien-aimé. Nous prions. Alléluia. Et robo chandere bobo. Yandere bodo shakarabare kere. Yandere bodo shendere bodo kere. Yandere bodo shakarama mama. Rebobobo chandere bobo. Et raka mama mama mama. Dans ma vie de prière, Seigneur, je prie. Oh Seigneur, emporte-moi encore. Emporte-moi encore dans ta présence. Seigneur, donne-moi d'être un homme qui aime ta présence. Un homme qui aime rester dans ta présence. Un homme qui aime prier. Un homme dont la prière est un style de vie. Seigneur, je t'en supplie, dans ma vie de méditation, donne-moi encore, Seigneur, d'aimer ta parole. Donne-moi encore, Seigneur, mon Dieu, de prendre le temps de la lire, le temps de la méditer, dans ma vie de crainte de ton nom. Seigneur, la crainte de ton nom, le désir d'être sanctifié, le désir de marcher dans la pureté, le désir de te plaire à tout point de vue. Oh Seigneur, je t'en supplie, lève ta voix, bien-aimé, lève ta voix. Dieu est en train de te restaurer. Je sens la gloire de Dieu, je sens l'onction de Dieu, je sens la puissance de Dieu en train de pénétrer la voix des ondes et de te toucher là où tu es. Oui, bien-aimé, sois connecté à la chaîne Béret TV à ce moment où nous passons la montagne de feu. Oh, mama, 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 shakababa, rabababa, shekebobo, sentebobo, yinderaba, sekerebo, shakaramama, oh, baba, shakarebo, yenderebobo, sekerebobo, que la flamme de Dieu, que la flamme
de Dieu. Eh ma chakaraba kantere bobo, yendere bobo chakamama, qui t'enflamme encore un peu plus, qui t'enflamme un peu encore plus, que l'amour du monde qui commence à dominer dans ton cœur brûle par le feu de Dieu, bien-aimé, que ton cœur soit tourné vers lui. Demande-lui, Seigneur, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Esprit de Dieu, aide-moi Esprit de vérité. Oui, bien-aimé, que cet amour que tu avais pour lire la parole, que cet amour revienne, que cet amour revienne, que l'onction de restauration rétende, que le spirituel en toi soit restauré, que le spirituel en toi soit restauré, que ton premier amour que tu avais pour le Seigneur soit restauré. Alléluia. Tu es passé par des événements difficiles. Tu es passé par des déceptions. Tu es passé par l'hypocrisie des hommes. Ça t'a refroidi. Le temps est arrivé où tu ne dois plus être refroidi. Car la Bible déclare, si tu es froid, si tu es tiède, Jésus te vomira. Si tu es tiède, Jésus te vomira. Oui, bien-aimé, tu ne mérites pas d'être vomi. Tu mérites d'être accueilli. C'est ainsi à ce moment. Dieu te donne la faveur. Dieu te donne la grâce. Par le canal de Béret TV, par le canal de cette émission Montant de Feu, prie avec moi là où tu es. Demande-lui, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Restaure ma vie. Prie. Kobobo shendere bobo, yendere bobo shendere bobo, yendere bobo shendere bobo kere, yendere bobo shekere bobo, ora baba baba shendere bobo, oro bobo shendere bobo, ekere bobo shendere bobo, ura kabara ekere bobo shendere bobo, ura kababa ekere bobo shendere bobo, ekere bobo shakara mandere bobo, ekere bobo samdere bobo shakara baba, ora kababa baba ekere bobo, ora mashindere bobo kantere bobo, ekere bobo shendere bobo, hallelujah. Alléluia. Seigneur, restaure ma vie. Restaure ma vie de jeûne. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de crainte de ton nom. Restaure, Seigneur, la haine du péché en moi. Restaure, Seigneur, mon Dieu. Restaure ma vie spirituelle. Que je marche par l'Esprit. Oh Seigneur, restaure-moi. Demande-lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier pour la restauration. Car ce soir, c'est une soirée de prière pour la restauration. Nous allons prier, bien-aimés, pour la restauration physique. La Bible déclare dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Oui, bien-aimé, la santé est un héritage. La guérison est un héritage que Dieu a donné à l'Église. Tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout pour que tu sois guéri. Parce que le marabout, c'est un sorcier. Le marabout, c'est un véritable agent satanique. Il ne peut te guérir. Même s'il te lave avec des eaux sales, même s'il te fait des scarifications, il ne fera que te filer un démon. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de gloire peut restaurer ta santé. La vraie guérison, elle vient auprès du Seigneur. Parce que la Bible dit, par le maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Tu vas lever ta voix maintenant, prier pour la restauration physique. Si tu es malade, prie que Dieu restaure ta santé. Si tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Et que tu connais quelqu'un qui est malade à cet instant, tu vas prononcer le nom de cette personne et tu vas prier pour sa restauration. Tu vas demander à Dieu qu'il agisse. Si tu ne connais personne qui est malade, tu vas lever la voix en disant, Seigneur, je te présente tous ceux qui sont malades dans le monde entier, qui attendent ton intervention, qui comptent sur ta grâce, qui espère en toi. Seigneur, restaure-le. Lève ta voix, monte avec moi. Nous montons. Nous prions pour la restauration physique, pour la guérison. Que Dieu nous restaure. Que les infirmités quittent le corps. Que les maladies héréditaires quittent le corps. Que les virus quittent le sang. Dans le nom de Jésus, que toute déformation physique quitte le corps. Que tout ce que le diable a tenu, que tout ce que le diable a volé dans ta santé, dans ton corps, te soit restauré maintenant. Que ta fécondité, ta stérilité, que la stérilité parte, que la fécondité vienne. Demande-lui, Seigneur, restaure mes matrices, Seigneur, restaure mon utérus, restaure mes parties intimes, restaure tout ce que le diable avait pris. Lui, bien-aimé, même ce soir, si ta santé a été dédiée à Satan, si ton corps a été dédié à Satan, si ton corps a été mis sur un autel satanique quelconque, quel que soit cet autel-là,
par la puissance du nom de Jésus, par ta foi, tu vas prier, tu vas aller les récupérer, tu vas demander à Dieu ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, la santé est mon héritage, dans le nom de Jésus, je déclare ma guérison, je demande la restauration physique de ma santé. Come on, come on, come on, let us pray now, come on, come on, come on, come on, stand up, come on. Oh, bashakarama sendere, yende rebobo, 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 sheke rebobo, oh, rabababababa, oh, rakamande rebobo, allume le feu, 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 prie encore, 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 demande-lui, Seigneur, aide-moi. Oh bashakarama kende, yende rebobo, sante rebobo, yende rebobo, shakaraba. Pendant que tu pries, tu vas maintenant invoquer la puissance de feu. Que le Seigneur descende, que le feu de Dieu descende dans ton corps. Que les maladies qui tiennent ton physique soient consumées. Nous prions toujours pour la restauration physique. Fire! Nous invoquons le feu, nous allumons le feu sur les puissants des maladies, le feu sur les puissants des ténèbres, le feu sur les esprits de sida, le feu sur les esprits de diabète, le feu sur les esprits de cancer, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Et bobo bobo chandere bobo, yendere bobo chandere bobo, yekere bobo samtere bobo, yendere bobo shakarabara. Dis-lui Seigneur maintenant, je vais te guérir. Je brise les liens de la malédiction. Je brise les liens de la malédiction qui tenait mon corps malade. Je brise tout ce que le diable a fait dans le nom de Jésus. Je brise les maladies héréditaires qui dominent sur ma vie. Et j'envoie le feu sur toute maladie héréditaire. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Sur les maladies héréditaires, le feu. Sur le blocage dans le corps, le feu. Que le feu de Dieu, que toutes les maladies résident dans le sang. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et comme robo chanderebo, yekerebo sanderebo, yakerebo do chenderebo, kenterebo, yenderebo santaraba. La restauration physique totale. La restauration physique totale. La restauration physique totale de ta santé au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons la guérison. Seigneur, restaure la vie. Que les os qui ont été captifs, brisés par l'ennemi soient restaurés. Que les genoux, la colonne vertébrale qui a été captive par l'ennemi soient restaurés. Par les nerfs soient restaurés. Que les esprits de dépression quittent les gens. Que les AVC, les paralysés quittent le corps maintenant. Quitte le corps maintenant. Quitte le corps maintenant. Restaure nos vies. Nous envoyons le feu de ton esprit, Seigneur. Le feu de ton esprit. 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 Chaka baba rebobo senderebo. Yenderebobo senderebobo. Yekerebobo shakaramama. Rekeborobobo santa. Prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, demande-lui, 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 demande-lui la restauration totale. Amen, 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 amen. Nous continuons à prier pour la restauration. Bien-aimé, toi qui es tenté de dormir, lève-toi. Va te laver, va laver les yeux. Va laver les yeux, mets un peu d'eau. Mets un peu d'eau fraîche sur ton visage. Toi qui es allongé sur ton lit en train de prier. J'ai toujours dit, on ne prie pas ce genre de prière étant allongé sur ton lit. Ça, c'est des prières qui changent de destinée. C'est des prières violentes qui percutent le monde des ténèbres. Prends ça au sérieux. Lève-toi, mets-toi à genoux ou prie étant debout. Éloigne de toi tout objet de distraction. Nous sommes en train de prier pour la restauration. Nous allons prier pour la restauration sociale. Oh! La Bible dit dans Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Et Psaume 34, verset 4, verset 6 dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia! Bien-aimé, tu vas prier pour la restauration sociale. Peut-être tu es entré, tu travaillais. Depuis que tu as perdu le travail, tu n'arrives plus à trouver le travail. Tu avais des moyens, tu avais des possibilités. Depuis un certain temps, le destructeur a mis la main sur tes finances.
Le destructeur a mis la main sur tes biens et tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais ce soir, tu dois prier avec moi. Peut-être, bien-aimé, tu viens d'être révoqué de travail. Tu ne comprends pas pourquoi, injustement. Ce soir, tu vas prier avec moi. Quelque chose va se passer. Peut-être, bien-aimé, les affaires étaient en train de marcher comme ça de marcher. Mais maintenant, tu as l'impression que tout est en train d'être bloqué. Ce soir, nous allons réclamer que le Seigneur nous repositionne. Que le Seigneur restaure notre vie socialement. Oui, bien-aimé, le bonheur et la grâce doivent te suivre. La prospérité n'est pas une mauvaise chose. Du moment où tu crains Dieu, du moment où tu aimes Dieu, du moment où Jésus a la première place dans ta vie, les restes, la Bible dit, toute chose te sera donnée. Ce soir, tu vas prier. Nous prions pour la restauration sociale. Lève ta voix, lève ta voix. Come on, come on, come on, let us pray for with me. Hallelujah, in the name of Jesus. Fire of God, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Mama machandara baba yandere bobo regerebo yandere bobo chenderebo yandere bobo canterebo ekerebo chanderebo. Que le Dieu de gloire te repositionne, qu'il pense à toi, qu'il te fasse goûter sa bonté. Dieu du Seigneur, repositionne-moi socialement. Je ne suis pas fait pour être la queue. Je déclare que je suis la tête. Je ne suis pas fait pour être en bas. Je déclare que je suis en haut. Je ne suis pas fait pour être un échec. Je déclare que je ne suis pas un échec. Et que j'ai été fait pour marquer ma génération. J'ai été fait pour être un signe. J'ai été fait pour être un présage. J'ai été fait, Seigneur, papa, pour glorifier ton nom. Papa, je sais que mon nom, que mon nom, que mes noms, que mon nom, dis-lui, Seigneur, papa, je sais mon nom et que mon nom et ma vie sera signe de ta fidélité. Ma vie sera signe de ta bénédiction. Oui, papa, je le sais. Déclare-le, déclare-le. Que ta restauration sociale vienne. Que la restauration sociale vienne. Au nom de Jésus. Que la restauration sociale vienne. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Inderebo shekereboro kende. Yenderebo sekereboro shekereboro. Yenderebo sengere mindiria katarabara santa. Que tout esprit de poisse, que tous les esprits de malchance, que tous les esprits qui te mettent toujours en dernier, les esprits qui font de toi la queue, ce soit que ces esprits te lâchent. Ordonne à ces esprits de lâcher ta vie et demande la main puissante de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Que cette main te bénisse, que cette main soit avec toi, que cette main t'éclaire, que cette main te restaure par la puissance du nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. Prie encore une fois, prie encore, prie encore, prie encore. Oh, je vois la vie sociale de quelqu'un en train de changer. Je vois la puissance du Saint-Esprit en train de toucher quelqu'un ce soir. Je vois quelqu'un, Dieu, en train de le positionner. Je vois une femme, je vois un homme en train de subir une transformation par la main puissante, invisible de Dieu, dans leur domaine professionnel, dans leur vie sociale. Dieu est en train de les reclasser. Oui, prie encore, prie encore, prie encore. Demande-lui ce soir, demande-lui ce soir, demande-lui ce soir qu'il agisse dans ta vie. Demande-lui ce soir qu'il te restaure. Demande-lui ce soir qu'il t'impacte. In the name of Jesus. Ebo shakaraba, enderebo sanderebo, enderebo roshaka, enderebo sanderebo, yekerebo sanderebo, yekerebo sanderebo roshaka, yekerebo santarabaman. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Remonce kerebobo, senderebo. Yenderebo rakaramanderebo. Yekereboro senderebo. Yekerebo senderebo. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons encore prier pour la restauration, pour la dernière requête de restauration. La restauration matérielle. Wow. Il y a des gens dont le diable s'est déchaîné sur le matériel. Tu viens d'acheter une voiture, cette voiture te fait dépenser que des pannes, et des pannes qui coûtent très cher. Ce soir, tu vas demander à Dieu qui te restaure dans tes matériels. Bien-aimé, tous tes matériels sont en train de se détruire. L'esprit de destruction s'est levé dans tes matériels, comme cela a été le cas avec Job. Mais ce soir, je vais t'inviter à prier encore. Reste dans la présence de Dieu. Reste sur la montagne de feu. Nous sommes en train de prier. Tu es dans la chaîne Béret TV, la chaîne de l'édification spirituelle. Nous sommes en train de prier. Dans cette rubrique de prière, bien-aimés, nous allons prier maintenant. La Bible déclare dans Genèse 13, 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en argent, en troupeaux et en or. Genèse 26, verset 12 dit,
Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta les centuples de cette année-là, car l'Éternel le bénit. Oh, car l'Éternel le bénit. Oh my God. Car l'Éternel le bénit. Ah, ça me révolutionne. Ça me révolutionne. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous tendons à la fin de cette émission. Waouh, waouh, waouh. Dieu doit te bénir. Non, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es béni déjà. Et la bénédiction de Dieu doit se manifester dans ta vie. Nous allons prier maintenant pour la restauration matérielle. Tout ce que le diable a détruit dans ta vie comme matériel, prie maintenant que Dieu te le restaure, comme il a fait à Job, comme il a fait à Isaac. La Bible dit Isaac était béni et il devenait fort riche. Il était béni. Le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac, que ce soit, qui te bénisse aussi, qui nous bénisse aussi. Oui, levons nos voix, levons nos voix, levons nos voix. Nous prions pour la restauration matérielle. Papa, je vais saisir tout ce qui est à moi. Je vais saisir tout ce que tu m'as donné pour bien vivre sur cette terre, en attendant que tu viennes me prendre. Je vais saisir, Seigneur, mon héritage spirituel et mon héritage matériel. Je viens saisir tout ce que tu as planifié pour moi, parce que ta parole déclare, Père, personne à cause du royaume des cieux peut quitter père et mère, peut quitter tout ce qui est à lui et te suivre sans pour autant avoir la vie éternelle et avoir toute autre chose avec. Seigneur, je prie ce soir que la bénédiction, je prie ce soir pour que la restauration matérielle soit mon partage. Oh, que tout ce que le diable a volé dans ma vie, que tout ce que le diable avait détruit, Seigneur, que cela me soit redonné au centuple, que cela me soit redoublé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Nous prions encore, nous prions encore. Nous prions encore, nous prions encore. Nous prions encore, nous prions encore. Oh, ma chère bobo, sendere bobo. Je suis en train de voir les finances d'une personne en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir le matériel, la bénédiction matérielle de quelqu'un arriver. Je suis en train de voir Dieu est en train de surprendre quelqu'un agréablement cette semaine. Waouh, 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 waouh. Tu auras un témoignage. Cette semaine sera ta semaine de témoignage de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Cette semaine sera ta semaine de témoignage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Manaraba Santa, Reboto Robo Senderebo, Yekerebo Sanderebo Kanderebo, Yekerebo Shakarama Kanterebo, Yekerebo Santerebo Bokoro, Shekerebo Santana Kanamanderebo, Yekerebo Shakana Mamarebo, oh Mamarebo Santana Baba, Yekerebo Santerebo Shekerebo, Yekerebo Santerebo Kanderebo Santa. Oh Jésus, Seigneur, agis, Seigneur, agis. Dis au Seigneur, Papa, tout ce que le diable avait pris à moi, tout ce que les sorciers ont avalé de ma richesse, Seigneur, ce soir qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent. Que celui qui a avalé ta richesse vomisse. Que celui qui a avalé ton mariage vomisse ce soir. Que celui qui a avalé ton argent spirituellement vomisse. Que celui qui a avalé ton succès, ton élévation, yaï, ce soir c'est la nausée spirituelle sur sa vie. Il va vomir. Prie, 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 prie. Prie, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Chakabada baba. Rebobobo sanderebo, yenderebobo sanderebo, yekerebobo shakarama senderebobo, yekerebo santerebobo, yekerebo shanterekotorobo san. Yenderebo sekerebobo, yenderebo shakarama senterebo, oh baba rekerebo shandaraba, yakaraba baba senterebobo, yekerebobo shakarama senterebo, yekereborobo santa. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration sur tous les domaines de ta vie. La restauration, bien-aimé, la restauration, au nom de Jésus, la restauration, papa, agis, 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 agis. Merci, Saint-Esprit, alléluia. Tu peux acclamer le roi, tu peux acclamer le Seigneur. Nous tendons à la fin de cette émission. Tu vas lever ta voix maintenant pour le bénir, lui dire merci. Si tu crois qu'il a agi ce soir, si tu crois qu'il t'a restauré, si tu crois qu'il t'a béni ce soir, tu peux lever ta voix avec moi pour lui dire merci. De ce moment, merci pour son onction, merci pour sa puissance, merci pour sa présence. Au nom de Jésus, levons nos voix et prions. Levons nos voix et prions. Notre Dieu est grand, bien-aimé, mais parfois sa grandeur nous échappe. Je déclare ce soir, ta grandeur ne t'échappera plus. La grandeur de ton Dieu ne t'échappera plus. Your life never be the same.
ça ne sera plus la même chose, bien-aimé. Ta vie ne sera plus la même chose. Parce que ce soir, Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te changer. Dieu est en train de transformer ta vie. Dieu est en train d'impacter ta vie par sa puissance. Oh, si tu le crois, pousse un bon cri d'amen. Si tu le crois, donne-moi le meilleur de tes amens. Lève ta voix, commence à prier avec moi dans la langue des anges. Dis-lui merci. Rebo sante rebobo. Yeke rebo chande rebobo. Kente rebo sende rebo. Kante rebo shaka. Rebo kante rebo chande. Yende rebo sakaraba. Waouh, je sens la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descende dans ta maison. La gloire de Dieu descende dans ta vie. La gloire de Dieu transforme tes réalités. La gloire de Dieu impacte ta vie. Dieu est en train de te repositionner. Dieu est en train de restaurer ta vie, bien-aimé. Lève ta voix. Lift up your voice. Hey, ma chère Bobo. And praise the Lord. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ces moments. Ces moments de puissance. Ces moments de grâce. Ces moments merveilleux qu'il nous accorde. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Oh Rabashakaraba, reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu est en train de restaurer. Sous ces chants, écoute la voix de Dieu qui te parle. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te bénir. Garde le calme. Reste dans sa présence. Reste connecté. Des fois, il est important pour nous, après avoir prié, après avoir pris position spirituellement, d'écouter le Seigneur. Laisse-lui te parler maintenant. Dans l'adoration, adore-lui avec ton silence. Adore-lui avec ton silence. Oui, que ton silence adore ton Dieu. Ebo shakaraba. Erebobo santa. Yenderebobo santa. Yenderebobo senderebobo ke. Yenderebobo siterebobo kende. Yenderebobo santerebobo karabanashe. Reketerebobo sinderebobo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, tu peux lever ta voix. Commence à adorer avec ta voix. Commence à adorer avec ta voix. Commence à adorer avec ta voix. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous voulons encore adorer le Dieu qui nous a restaurés, le Dieu qui nous a lavés, le Dieu qui nous a purifiés. Toi qui es malade ce soir, nous avons prié pour les malades, pour la restauration. Je viens seulement prophétiser la guérison sur toi et je libère la guérison. Je libère la guérison de Dieu dans ta vie. Sois guéri au nom de Jésus. Lève ta voix maintenant, adorons. Adorons le Seigneur. Adorons le roi de rois. Adorons. Papa. Oh. Papa. Papa. Oh. Oh Jésus. Alléluia. Papa. Oh. Papa. Alléluia. Alléluia. Ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Oh, Baba, chèque les bobos. La Bible déclare que le ciel a donné sa pluie et la terre a donné ses fruits. Que la pluie de la restauration descend sur ta vie, bien-aimé. Pendant que tu adores le roi de rois, la pluie de rafraîchissement, la pluie de restauration, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison descend sur ta vie et restaure complètement ta vie. Que la fertilité, la pluie de la fertilité vienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la sécheresse soit finie dans ta vie. Que ta vie devienne féconde au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer. Acclame ton roi, acclame ton Seigneur. Dis-lui merci, bénis son nom. Pousse les cris de joie si tu peux pour la gloire de notre Dieu.
Alléluia, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et nous bénissons le Seigneur pour la grande pluie de la restauration qu'il a libérée ce soir du ciel pour ta vie. Nous bénissons également tous les techniques, les techniciens derrière les appareils. Merci également à toute la régie qui nous a accompagnés pendant ces moments de prière. Que Dieu bénisse la régie, qu'il bénisse tous les techniciens. Que le Seigneur bénisse également Béret TV, la chaîne de l'édification spirituelle qui nous donne l'opportunité, la possibilité de pouvoir vous apporter cette émission. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons vos vies au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission de temps de prière. Sachez que la prière, celui qui prie est capable. La prière transforme les rêves en réalité. La prière ouvre le voie. La prière restaure. Le temps n'est plus le temps de pleurer. Le temps n'est plus le temps de se lamenter. Le temps n'est plus le temps d'aller chercher la pitié à x, y personne. C'est le temps de prier. C'est le temps de se mettre à genoux. C'est le temps de monter sur la montagne de feu et de prier, d'invoquer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été le nôtre dans cette mission Temps de Victoire. Merci d'avoir passé ce moment de prière avec nous. Si là où vous êtes, il fait nuit, je vous dis bonne nuit. S'il fait jour, je vous dis bonne journée. Que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient dans vos vies. Surtout, restez et soyez des hommes de feu. Fire!